Voilà, parlant de football, avec cette situation de crise qui prévaut au sein de l'équipe nationale des Panthères du Gabon, le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon a refusé de donner la conférence de presse prévue ce matin en posant des conditions. Écoutons l'éclairage du président de la FEGAFOOT au micro de Charles Ogula et de Lucien Barrault. La conférence de presse que vous devez avoir avec M. Camacho, le nouveau sélectionneur, n'a pas pu avoir lieu tout simplement parce que nous venons d'une séance de travail avec l'intéressé, avec M. Camacho. Dans le contrat qui nous lie avec M. Camacho et dans les exigences qu'il a bien voulu faire, il a décidé et demandé que son staff soit celui qui l'a amené avec lui. Et curieusement, M. Camacho a décidé en même temps d'adjoindre à son staff un infirmier, un interprète et deux kinésithérapeutes. Vous savez qu'à l'origine, lors de la première réunion que nous avons tenue avec M. Camacho, il était question que, et à sa demande, que l'interprète soit un Gabonais, et à l'époque nous lui avons désigné M. Serge Assoumou pour assumer cette fonction. M. Camacho, en repartant en Espagne, nous a fait parvenir un mail dans lequel il demande que l'interprète soit un de ceux qu'il va faire venir d'Espagne. Nous le lui avons concédé. Dans le staff technique, comme il l'a souhaité, nous avons accepté qu'il travaille uniquement avec ses adjoints qui sont arrivés avec lui. Mais il y a aussi que vous devez tous savoir qu'il y a au sein d'une équipe comme celle du Gabon des postes que nous, au niveau national, nous avons voulu faire assumer par des nationaux. Dans notre pays, le Gabon, nous avons des compétences certaines dans le domaine de l'infirmerie. Nous avons des compétences dans le domaine kinésithérapeute. Donc, nous avons demandé à M. Camacho de s'en tenir à cette restriction, c'est-à-dire son staff technique sera composé de lui-même et des adjoints qu'il a amenés et qui ont signé des contrats avec nous, mais que nous mettrons à sa disposition un infirmier et des kinésithérapeutes, comme il l'a souhaité. Donc il n'est pas question pour nous que ces postes que nous souhaitons qu'ils soient des postes gabonais soient assurés par un kinésithérapeute et des infirmiers venant d'Espagne. M. Camacho a décidé de ne pas faire la conférence de presse qui devait vous réunir avec lui ce matin, tout simplement parce qu'il conditionne la suite de ses activités avec nous par l'acceptation de la Fédération gabonaise de football de son infirmier et de ses kinésithérapeutes.